C'est parti, y a-t-il d'autres jeux? Tu es... Oh oh, fuck it. Qu'est-ce que vous foutez ici? Qui va patrouiller dans les environs? Moi seul? Allez, hey. Retournez au boulot, écoute! Oui, chef. Hey. Oh merde. Quelle chance tu parles? Oh merde. Je sais, il y a des ennemis, mais je prends quand même le temps de ramasser les cadavres. C'est fini. Bon, maintenant, allons tuer des gens. J'adore tes insultes. Hé, hey, sale capitaliste! Ah oui, c'est vrai, t'es communiste. On va se forger, les gars! On encaisse des tirs! Attention! Tu encaisses des tirs, mais je t'ai pas tiré dessus quand t'as dit ça. T'es con ou quoi? En cercle! Tu vas mourir, toi? Touché! Un blessé! Tu vas me le payer, fumier! Ok. Ok, c'est cette porte que j'ai cherchée pendant une heure la dernière fois. Bon, maintenant je sais où je vais aller. Bon, je vais aller chercher d'autres trucs parce que la dernière fois j'ai vu une autre issue là. On pouvait faire encore un peu de castagne. C'est surtout que je vais chercher des munitions. Bon, t'es mort. Merde. Guten Tag. Ouh, merde, je me suis loupé ça. Ah, je prends des tirs quand même, là. Merde. On va me payer. Ouvrez-moi, Kergan. Bah, on va dire. J'ai besoin que vous alliez à Venise pour vous occuper des locaux qui ont fait la livraison. Venise, mais c'est en Italie. Ce ne sera pas un paiement en espèces, d'accord? C'est compris, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait du sombre? La créature a été localisée. Les détails sont dans cette enveloppe. Vous récupérerez cet animal après votre voyage à Venise.
Ne me décevez pas, cette fois. Comptez sur moi, camarade général. La ferme, Corbut ! Ah bah, mon père, et Morozov, et la Révolution, et même mon futur ! Je préférerais être tué plutôt que d'être comme mon père. Il a tué son propre frère. Écoutez, si vous sortez d'ici, vivez, c'est tout ! Voilà, entrez là-dedans ! C'est le chemin vers la liberté. Oh, faites-moi confiance, je connais bien. J'ai passé toute mon enfance à éviter mon père en me cachant, c'est compris. Freshman. Bon, alors, bonne chance. C'est bien nettoyé, un champignon radioactif. Ça me... Perso, vous dans le conduit, vous feriez quoi à ma place là? Putain, mais c'est dégueulasse, c'est radioactif, c'est... Mais vous avez vu, c'est en pleine ébullition. Bleh ! Même un cadavre, c'est plus joli. Enfin. Asseyez-vous, Corbut, et discutons. Des négociations à police ? Ah, vous êtes au courant. Je suis le chef des renseignements, après tout. Alors pourquoi vous avez laissé les informations filtrer ? Police, Hansa, et même les façons connaissent déjà nos plans. Les rats seront exterminés, et la guerre est inévitable de toute façon. Inévitable. J'en doute un peu, comme le Politburo. Un homme qui doute est un homme qui a peur. Comment osez-vous ? Vous êtes le chef de la sécurité d'État, et je suis votre supérieur ! Oui, mais maintenant qu'on approche d'un métro rouge unifié, vous n'avez pas le droit de faire capoter le plan. Je n'ai pas le droit ! Moskvin, quand vous m'avez demandé comment gérer le cas de votre frère aîné, il était encore secrétaire général. Je vous ai aidé. Et après sa mort tragique, j'ai soutenu votre promotion. Alors, je vous suggère de suivre mes conseils. C'est... inacceptable. C'est très simple, camarade Moskvin. On se serre tous les coudes et on affronte la tempête. Ou c'est chacun pour soi. Mais... Corbut, est-ce que tout ce putain de métro mérite qu'on verse le sang pour lui ? J'ai un moyen d'y arriver sans verser une goutte de sang. Pas de sang, vous dites. Alors, faites le nécessaire. Je m'occupe du Politburo. Je me demande ce qu'il prépare. Toute attaque frontale est inutile. Et si on passe sous l'église, qu'on avance dans les catacombes, puis qu'on attaque par l'arrière, on devrait rencontrer très peu de résistance, voire aucune. Ensuite, il suffira de faire le ménage. Votre attention, camarade général ! Soldats, on vous a confié une mission d'importance. Chaque groupe a son objectif, et on vous a dit le minimum à savoir pour réussir votre mission. N'oubliez pas que cette opération est top secrète et que l'ennemi ne doit pas vous prendre vivant. Il y a un reportage là où j'ai plongé. Ok. Bon. J'espère que c'est bien clair. Des questions ? On peut utiliser les radios après avoir capturé les cibles ? Seulement en cas d'urgence et sur une fréquence cryptée. Si on a droit à des contre-attaques ennemies musclées, on garde notre position ou on se replie ? Restez en position. De toute façon, je doute que l'ennemi soit capable de contre-attaquer efficacement. Camarade général, on nous a donné une bannière avec le matériel, mais on nous a aussi fait enlever tout ce qui nous identifie. On ne laissera pas de traces de notre opération. Ce n'est qu'après la victoire et la réception du signal que vous mettrez vos bannières sur les cibles capturées. D'autres questions ? Non, camarade général. Alors, bonne chance. On sait la route ! Je me trouve dans des catacombes infestées d'araignées. Le secrétaire général Moskvin ne me semble pas du tout être l'araignée en chef. Ce titre revient manifestement au général Corbut. J'aimerais bien savoir ce qu'il a en tête. Qu'est-ce que Lesnitsky lui a rapporté de D6 ? Qu'est-ce qui va détruire les ennemis de la Révolution ? Encore des questions,
et aucune réponse. Une seule chose est claire. Pavel a des informations sur le sombre. Ce qui fait de lui ma cible actuelle. C'est bon. Et une grande partie de blabla. Maintenant, allons tuer des gens. C'est des munitions militaires, ça. Pourquoi je peux pas y prendre? Ok. Allons-y. J'ai attrapé la crève ou quoi? Arrête de trembler. Le manuel dit que c'est le pire. Alors c'est celui que tu coupes. Coupe-le toi-même. Je vais aller me mettre dans un coin. T'es déjà dans ton coin? Putain, j'ai l'oreille qui me gratte. C'est pas pratique pour viser. Il est mort. Alerte! Attention! L'ennemi est proche! Ouais, ben, t'auras pas eu le temps d'en prendre. Oh, des munitions. Oh merde. Bon, c'est pas grave. Un peu écasillé. Ah. Ok, un rat. Genre, tu t'es pas pris dans la tête, c'est là. Mon père, t'es mort. Oh, on peut pas jouer de morceaux. Normalement, il n'y avait rien ici, si je me souviens bien. Il n'y avait rien. Ok. Ils sont tous morts.